Madame Beauté, monsieur je sais pas qui. Tu m'écoutes ? Je t'écoute. Je sais que ça va te plaire. Oui. Après, si t'es étonné, fais pas le mec blasé. Je veux... Tu vois, tu laisses aller. Je laisse aller. Alors, petite invention. J'ai essayé de prendre le matériel le plus simple possible pour pas me dire qu'il y a des embrouilles quelque part. Ça, on connaît tous. Il y en a en grande surface. Nos mamans nous les ont lus. On les lit à nos enfants. Bon, moi, j'en ai pas, mais à mes petits-neveux. Et c'est à chaque fois des petites histoires simples qui se composent d'une image et d'un truc. Ce que je vais te demander, c'est que tu vas prendre un stylo. Attends. Tu vas faire une croix. Et après, par exemple, là, j'ai fait pas un exemple, mais là, il y en a un qui l'a déjà fait en bleu. Je crois qu'il y en a un qui l'a fait en rouge ici. Enfin, par exemple, ici, en rouge. Là, tu lis. Et si tu avais vu les éléphants énormes et le dessin à côté. Donc, tu vas faire une croix quelque part. Tu vas lire. Génial. Soit tu prends le dessin et tu fais le même, soit tu interprètes comme tu veux le dessin, d'accord ? D'accord. À ton idée, suivant ce que tu as lu, parce que des fois c'est plus long, hein, d'accord ? Et moi, je vais de mon côté essayer de faire la même chose. D'accord. D'accord ? Pour pas que tu sois influencé par une image ou un texte, tu vas prendre un stylo, tu vas ouvrir comme ça, tu vas faire une croix au hasard. D'accord, au hasard. Tu vas refermer. Moi, je vais essayer de rien voir. À la fin, tu vas dessiner, je vais dessiner, on va voir si on dessine la même chose. Est-ce que c'est clair ? C'est très clair. Donc, celui-ci, il a déjà un stylo rouge. Lui, il a encore un stylo bleu. Tu peux prendre celle que tu veux. Nous, on sera sans un stylo noir. D'accord ? Je ne veux pas savoir ce que tu prends. On ne va pas prendre celle-là, c'est pour tout à l'heure. Un stylo lequel tu veux, tu as un charpie et un autre. Le gros ? Tu mets dans le dos. Joue n'importe où. N'importe où, tu fais une croix. Ça peut l'air de couverture. T'essayes de pas te mettre le stylo d'encre sur le doigt, ni sur les habits, ni sur mon rideau. Une croix au milieu, une croix, une grosse croix. Une petite, croix. N'importe. Je vais pas amener de ça. Tu rebouches. Bouche. Tu poses. Hop là. Prends ça, ça enlève. Tu effeuilles jusqu'à ce que tu vois une croix. Et tu peux même regarder s'il y a d'autres croix, parce que si c'est une rouge, tu ne prends pas. S'il y a d'autres croix, tu... Alors, je crois que j'ai croisé. Est-ce qu'il y a d'autres croix ? Est-ce qu'il n'y en a qu'une ? Non, j'ai rien. Donc c'est des petits... T'es fermé. Ok, ouais. Je vois que c'est une paille, non. Essaye de ne pas me montrer. Hein. Il y en a d'autres ? Non, non. Tu as montré à tout le monde ? Oui. Ah, bon. C'était mieux de cacher, mais bon. Non, je montre à tout le monde. Ah, pardon. Ils n'ont pas vu. Alors, il y a deux façons de faire ce tour. Soit je fais de la prémonition, je fais un dessin, après tu le fais et voir si ça marche. Soit tu regardes, je regarde dans ton cerveau, ça c'est de la télépathie, je fais. Soit on le fait en même temps, ça veut dire que j'arrive à me connecter avec sa main. Donc c'est toi qui choisis. Soit en même temps, soit je le fais avant. Connectons-nous. En même temps, en même temps. Ouais. Tu prends le stylo, toujours le même. Pour pas qu'on puisse dire que je fais le dessin. D'accord. Ou le même, ou ce que tu. Lis l'histoire quand même. Hein. Alors attends. Alors maintenant j'ai compris, tu as pris farceuse, tu l'as dit. Il y a monsieur étourdi dedans, madame farceuse. Après il y en a une autre, mais il n'y a pas son nom. C'est parce qu'il y a de la foule. Et alors, attends, regarde si les autres pages peuvent faire le même dessin. Ou à chaque fois, ça sera un dessin différent, d'après les écritures. Chaque dessin, chaque page est différent. Chaque page a ça. Est-ce que c'est des pages truquées, genre jeu radio, ou est-ce que vraiment tu peux prendre n'importe quelle page ? Non, je ça existe, ça existe. Attends, moi je veux que ça soit le plus net possible. Non, je peux. Ah, c'est la suite. C'est la suite, d'accord. C'est bon ? Oui. T'as un dessin en tête ? Oui. Alors vas-y, prends ton stylo. Allez, dessinez, je noterai, je mettrai des notes. Bon, c'est parti. Je le mets comme ça. C'est prêt ?
je ne sais pas dessiner non plus. Si par exemple, il y a un arbre et je fais un cheval, c'est pas bon. Hein. Non. Si, ah bon mais tu plantes alors. S'il fait une mobilette et je fais une mobilette, on est bon. Après, même si on n'a pas dessiné pareil. Hein. Enfin, une fois fini. C'est bien. Ça, j'ai l'impression que c'est Monsieur Étourdi qui m'a fait. Parce que dans l'histoire, il y a Monsieur Étourdi. Bon, je vais rajouter un arbre, même si il n'y en a pas. Voilà. Alors, je vous explique l'histoire. Monsieur Étourdi, il est étourdi. Et à un moment donné, il roule avec une voiture un peu cassée. Et il ne s'en aperçoit pas. Il se dit, tiens, il doit avoir le bout à la maison. Vous lirez l'histoire. Voilà ce que j'ai dessiné. Ça, j'ai pas fini, moi. Oui, moi, je suis allé plus vite parce qu'après... Il dessine des livres. Oh, attends. C'est pas ça ? Bah, si. Oh, oh. Bien ou bien ? Ah, bien. Bien. Ah, excellent. Excellent ou excellent ? Excellent. Tu sais que tu avais un tour il y a très très longtemps. Tout à fait. Et là, on se dit, parce que je me suis rappelé de ton tour, j'ai dit, tiens, on va faire mieux que ça. C'est nettement mieux. Et il faudra revoir la présentation, mais c'est nettement mieux. Mais bien, t'as rien compris, là. Non. C'est l'essentiel. Alors, ça mérite une deuxième rafale. Ouais. Idée. Mais très bon. Qui c'est qui a des idées ? Ah, qui c'est qui connaît ce truc ?